d'une camarade de l'ANC, l'Association nationale des communistes, qui s'appelle Linda Mendy et qui est partie au Caire. Elle est passée par Barcelone et puis elle nous informe qu'elle a fait passer plus de 60 kilos de médoc et de matériel médical sans aucun souci apparemment. Elle a fait un rapide boycott d'un McDonald's sur le Caire, d'où elle est partie parce que le gérant est en train de téléphoner, alors elle a pensé que c'était peut-être pas pour, c'était pour elle. Enfin voilà, et elle a participé à une émission de la chaîne palestinienne et a rencontré des personnalités adéquates. Hein. Voilà. Donc, c'est pas terminé, c'est toujours en voyage. Elle a prévu aller à Rafah en 11 étapes, au sud de la bande de Gaza. Alors, on espère quand même que, puisque c'est une de nos. Elle est dans le commun, je vais dire en Occitanie, qu'on aura le plaisir de la rencontrer, qu'elle pourra nous faire nous rapporter quelques éléments sur son voyage. Bon. Je ne sais pas trop. Enfin, au jour d'aujourd'hui, on en est là. Hein, mais elle est très active, c'est quelqu'un de très dynamique et tout. Voilà. Alors, ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, ce qu'on peut regretter, c'est que les Américains, les Yankees, ont encore de nouveau à l'ONU refusé le cessez-le-feu. Donc, c'est abominable de voir ça. C'est abominable, quoi. Alors, on a vraiment. Je voudrais bien que quelqu'un écrive un livre. Le livre noir de la Maison Blanche, parce qu'il y aurait de quoi dire, hein, ces saloperies là, franchement c'est intenable ce truc là, hein. Voilà. Bon ben c'est tout ce que je voulais vous dire, je vous remercie de votre présence, mais enfin bon, on est tous là pour la même cause, je crois que c'est le plus important, c'est que cette guerre s'arrête et puis qu'on puisse retrouver un petit peu plus de sérénité, voilà. Bon, effectivement donc les États-Unis ont encore opposé leur veto à un cessez-le-feu. Avec une abstention de la Grande-Bretagne. Quant à chez nous, je crois que M. Macron commence à être agacé. Il trouve ça, je ne sais plus quel est le mot qu'il a utilisé, c'est même pas intolérable. Enfin, toujours est-il que nos constituants, nos composants d'armes partent toujours, qu'aucune sanction n'est prise et que pour l'instant, on a quelques petits mots d'agacement. Pendant ce temps-là, là-bas, la situation évidemment est de pire en pire. La quasi-totalité de la population est maintenant en situation de famine. Et nous, ça nous crève le cœur de voir les scènes qu'on peut voir, pour ceux qui ont accès à quelques infos. C'est-à-dire ce peuple digne, notre ami Ziad avait l'habitude de signer Gaza la dignité. Ce peuple digne, résistant, résilient. On est maintenant à essayer d'avoir de la nourriture coûte que coûte, même en attaquant les camions d'aide humanitaire tellement ils sont à bout. Au nord, c'est l'horreur puisque aucune aide n'arrive au nord. Il n'y a pas de point de passage ouvert au nord de la bande de Gaza. On parle de 1,4 million ou 1,5 million de personnes massées à Rafah, mais le reste de la population, lui, est soit au centre, soit au nord, où absolument aucune aide alimentaire, aucune eau n'arrive. Quant à Rafah, eh ben on est toujours dans l'incertitude. Vous avez certainement vu que l'Égypte est en train de construire un mur, apparemment une enclave de 13 km², pour, disent-ils, accueillir, si l'on peut dire, dans un camp, des futurs réfugiés. On n'a plus aucun doute maintenant sur le but caché du gouvernement israélien, c'est évidemment nettoyage ethnique, c'est-à-dire faire partir la population de Gaza en Égypte, si l'Égypte accepte, mais les faire partir, coûte que coûte. On ajoute la déclaration cynique du gouvernement qui a dit qu'ils avaient jusqu'au Ramadan pour libérer les otages. Comme si un ramadan, évidemment, ça a une valeur énorme pour la population. Mais le jeûne, c'est d'un cynisme incroyable d'avoir fait cette déclaration. C'est tout simplement pas possible. Alors nous, on était en train de discuter avec la journaliste qui était là. Et à la question « jusqu'à quand c'est vigile ?», on lui a répondu « jusqu'à ce qu'Israël se retire de la bande de Gaza ».
Notre intention, c'est de revenir, même si on est un petit groupe, d'être en veille ici tous les mercredis à 17h30. Le plus nombreux possible, mais même si un jour on se retrouve à 10, ben le mercredi suivant, on sera de nouveau là. Et il est important que notre gouvernement, en l'occurrence ses représentants à la sous-préfecture, sachent que la population continue à s'en mobiliser et qu'on réclame évidemment que la France passe aux actes. Les mots, ça suffit. Il faut des actes, il faut des sanctions, il faut arrêter de livrer des armes, il faut arrêter de dire qu'on va ne pas autoriser le drapeau russe au JO, mais que le drapeau israélien flottera dignement représenté. Il faut arrêter aussi d'accepter le fait qu'au prochain Tour de France, nous aurons cette équipe, la seule équipe nationale qui existe sur le Tour de France, Israel Startup Nation, avec le drapeau d'Israël. Je pense qu'il va falloir se mobiliser cet été pour éviter que ce Tour de France se passe sans encombre. Que dire ? Je suis à bout de mots parce que si quelqu'un veut prendre la parole. Heureusement, Israël n'a pas suffisamment de soutien et maintenant il peut compter sur Manuel Valls, qui a dit qu'il ne faut pas laisser tomber Israël, il faut rompre le parcours d'Israël. Voilà. Aujourd'hui à la radio. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Bon, juste une pensée pour notre ami Ziad, dont on vous a beaucoup parlé, puisqu'on y tient. C'était son anniversaire le 18. Il a envoyé un petit mot en disant que il n'y aurait pas de fête. Alors, c'est tout ce qui est de plus en plus laconique, de plus en plus maigre, et on n'est pas sûr de le revoir. Bon, dans le domaine des actions, je vous rappelle, et je dis à ceux qui étaient là les fois dernières, le 3 avril est programmé le film Yalla Gaza, au Régent, dans les rencontres associées. Rencontres associées avec l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix, et le nouveau groupe commun Choix-Estime Solidarité. Donc le 3 avril, avec l'intervention de André Roseweg, qui est membre de la coordination nationale de l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix. Et puis à venir, on n'a pas encore la date, en mai, un autre film, sans doute La Terre par l'Arabe, avec une intervenante palestinienne qui est en France, qui est professeure, je crois, à Nantes. Donc suivez ça courant mai sans doute. Et puis je vous invite toujours, ceux qui ne l'ont pas fait et qui ont un petit peu de temps, à rejoindre ce groupe donc Commage Palestine Solidarité. Il suffit de vous dire, ou alors de venir avec nous, on a un groupe. Aujourd'hui on n'a pas une réunion vraiment formelle, on a un atelier panneau. Que l'on va réaliser à la maison des syndicats à Vieux-Fauch. Je repropose le micro à qui le veut. Bon, j'oublie le début du message de Ziad pour avoir au moins une parole palestinienne. Je pense que c'est important. Bonjour de Gaza, la détruite et Gaza la dévastée. Croyez-moi, ma détermination, mon courage, ma résilience, ma patience et mon optimisme n'arrive pas à dépasser la détresse totale. Après presque 4 mois depuis le début de cette agression horrible et l'occupation contre la population civile de la bande de Gaza, la situation sur place est de plus en plus catastrophique et terrifiante. La vie est un goût amer. En fait, il n'y a pas de vie à Gaza. La vie est paralysée totalement. Il n'y a rien. Je suis très triste, je suis malheureux, je souffre au quotidien comme tous les habitants de cette région dévastée et laissée à son sort par une communauté internationale officielle complice. Et je suis en train de supporter l'insupportable. J'ai décidé d'écrire ce témoignage pour partager ma peine avec vous, les amis et les solidaires de bonne volonté. Vous êtes mon seul réconfort dans cet enfer quotidien. Quand j'ai un accès à Internet, j'essaye de donner des nouvelles. Tout le monde veut avoir des nouvelles de sa famille au sud. Le réseau de communication est souvent perturbé et détruit par les bombardements.
Je vois vos très nombreux messages de soutien et de sympathie. Les personnes qui proposent des aides et des dons. Je vous remercie beaucoup. Je disais toujours que le plus important, c'est la solidarité morale et politique. En plus, moi, je suis un simple citoyen palestinien à Gaza. Je vis comme tous les habitants et je ne veux pas être privilégié avec mon réseau et mes nombreux amis et connaissances. Mais vos messages me soulagent, moi, le citoyen palestinien de Gaza qui a perdu tout et qui essaie de survivre avec le peu d'espoir qui lui reste. C'est vrai que j'ai vécu beaucoup de guerres, d'agressions, d'offensives et de carnages, mais je n'ai jamais vécu une situation horrible comme celle-ci depuis mon enfance. J'oublie la conclusion. Moi qui remontais le moral des jeunes et des enfants de Gaza traumatisés, je suis devenue sous le choc et traumatisée par la succession des événements tragiques qui ont frappé ma famille et tous les citoyens de Gaza. Et je ne trouve personne pour effacer mes larmes et pour calmer ma colère énorme. Il y a beaucoup d'événements à raconter, j'aurais besoin de pages et de livres pour décrire notre quotidien très difficile sous les bombes et sous le choc avec cette situation catastrophique. Et je ne crois pas encore que je suis toujours vivant, car je vois la mort 1000 fois par jour, même si je n'ai pas peur de la mort. Cependant, je suis inquiet pour notre avenir. L'aspect positif dans tout cela, qui me rend fière de moi, je n'ai pas de haine. Amitié palestinienne de Gaza, qui n'est plus Gaza, et de Ziyad, qui n'est plus Ziyad. Entre l'image de Ziyad. Ce texte de Ziyad, je le mettrai intégralement dans le Café des Ballets, si vous voulez le lire. Si vous voulez, je peux vous parler un peu qu'est-ce qui se passe en Angleterre, en Grande-Bretagne à ce moment, si vous voulez. Que je suis un peu. Aujourd'hui, c'est la vote en Parlement pour le cessez-feu qui était proposé par le Parti nationaliste d'Écosse. Ils ont déjà fait une fois, mais c'était pas vu la première fois, parce que le Parti travailliste, ils ont dit on va pas voter pour cette motion. Alors, après quelques semaines, le Parti d'Écosse, ils ont reproposé aujourd'hui le vote pour le cessez-feu en Israël contre la guerre contre les Gaziens. Et cette fois-là, le Parti travailliste, merci à cause de toute la pression qui était montrée par en dessous. Ça reste fort. Il y avait encore 200 000 sur les rues de Londres ce week-end. Et ça continue. Le pays, je pense. Pardon. Merci. Oui, donc on voit que la gauche, si on peut dire, la gauche anglaise est aussi divisée que la gauche française. Et il est clair que si nous étions à gauche unis pour faire pression, il est clair que on serait aujourd'hui un peu plus nombreux, en tout cas au niveau national, on serait plus fort. Ça c'est clair, on peut plus que le déplorer. Bon, je pense qu'on peut aussi remercier nos voisins de nous donner des leçons, parce qu'on ne peut pas dire que la mobilisation en France soit au top. Quand on voit effectivement les manifestations en Grande-Bretagne, en Espagne et dans d'autres pays, bon, on se demande ce qui se passe en France, enfin, où on a quelques petites pistes, notamment peut-être, je ne sais pas, notre culpabilité passée, notre passé colonial, mais on n'est pas les seuls la Grande-Bretagne aussi. Je ne sais pas ce qui se passe en France, mais c'est vrai que la mobilisation n'est pas ce qu'elle devrait être.
Oui, on peut quand même dire que les différentes lois antisociales, et notamment la loi séparatisme, a joué un grand rôle dans le fait qu'en France, les mobilisations sont nettement plus réduites qu'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de venir, et notamment dans les grandes villes, je pense. Et effectivement, ça affaiblit terriblement la mobilisation. On voit bien ce que fait notre gouvernement de ce point de vue-là, qui est encore pire que ce qui se fait, même en Angleterre ou ailleurs. Voilà. C'est quand même un point important. Il y a aussi un point important à dire, c'est que quoi qu'il arrive au niveau de Gaza, la Cisjordanie continue, Gaza continuera d'une façon ou d'une autre, la Palestine continuera, et donc c'est une lutte de longue haleine, et il faudra essayer de tenir longtemps, que ce soit par des visites ou en rejoignant le groupe, et en trouvant des formes, voire des films, etc., des formes de mobilisation, d'action, de façon à faire quand même que dans ce monde, de temps en temps, on puisse trouver un peu de justice. Avant de terminer, il y a un événement aujourd'hui qui est l'entrée au Panthéon de Isaac Mémé Manouchian. Un petit mot par rapport à ça. Nous sommes nombreux, en tout cas l'UGFP a fait un communiqué à ce sujet, à nous désoler de la façon dont ça se passe. C'est-à-dire cette instrumentalisation, cette récupération de cette entrée au Panthéon. Je pense qu'il n'avait pas mérité ça. On apprend que même la demande de mettre un drapeau sur le cercueil, le drapeau de FTP Moy, est refusée. Il y aura juste le drapeau français. Donc on nie le fait que Missak et Méliné Manouchian et tout le groupe étaient des communistes, des internationalistes et qui ne luttaient pas seulement pour la France. Non, ils luttaient pour les peuples, pour le droit des peuples. Et donc, honte à ce gouvernement qui l'a fait ça. Donc, oui, continuez. Tant que la guerre va durer, elle risque de durer on ne peut pas trop savoir. En tout cas, là, il y a quand même, on avait touché deux mots là-dessus il y a quelque temps, se demander ce que deviendra l'État israélien après la guerre. Il est clair que cette guerre va laisser des traces profondes, des divisions, on va créer des divisions. La société était déjà divisée avant, pour les raisons que vous savez, puisque Netanyahou était visé par. Voulait une réforme de la justice que une bonne partie du peuple israélien donc refusait. Donc après la guerre, on imagine, le scénario de 1973 se reproduit. C'est-à-dire mise en cause des services secrets, mise en cause de la hiérarchie militaire, voilà. Mise en cause évidemment du Premier ministre, démission un jour ou l'autre, comme ça s'est passé après la guerre d'octobre 73. En vérité, cette guerre prend des proportions qu'on n'a jamais vues. Si on regarde les chiffres de blessés, de morts, les destructions, des proportions inédites en Palestine, et même au niveau planétaire, il faudrait voir. Il y a quand même une grosse inconnue sur l'après-guerre. Mais une grosse inconnue. Et les divisions au niveau international suite à cette guerre vont perdurer. Et on a dit qu'une génération de résistants est en train de naître dans les décombres de Gaza. Bon, je veux dire, un avenir radieux se déploie devant nos yeux. Et quant à savoir ensuite les effets sur la société française, et sur une période préélectorale, on peut aussi y penser. En tout cas, au niveau de la gauche, on n'est pas, globalement, je dirais au niveau national, on n'est pas à la hauteur du problème. Là, clairement.
Donc, je rappelle, rendez-vous pour les gens du groupe Commun Chemin et Solidarité à la Maison des Syndicats, avenue Foch, au deuxième étage. Et donc, on va être quelques-uns à partir. Rendez-vous la semaine prochaine, 17h30, au même endroit. Prévenez le plus de monde possible.